Bonsoir, le soleil a dominé les débats ce dimanche, mais il faisait bien frais ce matin, localement moins de 5 degrés vers le Massif central ou encore vers la Champagne. Heureusement, ça va grimper progressivement dans les prochains jours, sous l'impulsion du soleil déjà installé demain matin dans les deux tiers sud. A l'inverse, ça sera très gris pour les régions du nord et notamment au nord de la Seine, où quelques gouttes seront au programme. Elles seront d'ailleurs toujours présentes en cours d'après-midi vers les frontières du nord et vers la Belgique, avec un ciel qui va rester bâché. En marge, passage nuageux et éclairci en alternance de la Bretagne à l'Alsace, et puis sur les deux tiers sud du pays, rien à dire, un ciel tout bleu et un franc soleil. Les températures de votre lundi matin, encore bien fraîches entre le Massif central et les frontières du nord, souvent moins de 10 degrés, 15 déjà pour Paris, 16 à Brest et 22 pour Nice. Et l'après-midi, elle remonte partout, sauf sous les grisailles du nord, à peine 17 degrés pour les Ardennes, 18 degrés seulement pour Lille. Mais dès qu'on retrouve le soleil, il va faire chaud, 25 au moins pour Paris, 28 degrés pour Rennes, 29 à Nantes, 30 degrés pour La Rochelle et pour Perpignan, et jusque 32 près de la Garonne ou encore vers le Languedoc. Pour votre mardi, le soleil s'installe, y compris cette fois-ci sur les régions du nord, rejoint par quelques cumulus en cours de journée sur le flanc ouest, et les températures vont continuer à remonter. On attend un pic de chaleur en cours d'après-midi, 29 au moins pour Paris, 32 pour Nantes, et entre 33 et 35 degrés dans le sud-ouest. Pour mercredi, toujours des conditions largement ensoleillées, malgré le retour de quelques nuages plus invasifs près de la Manche et près de l'océan, un orage possible en fin de journée pour les Pyrénées, et les températures vont commencer à baisser quelque peu vers l'océan et vers la Manche, alors que le pic de chaleur va se décaler sur le nord et sur l'est, où il fera 30 à 32 en moyenne et jusque 34 degrés pour Lyon. Votre tendance avec jeudi et vendredi, encore deux journées largement estivales, même si quelques passages nuageux vont tout de même faire leur retour. On surveillera un risque orageux jeudi entre les Pyrénées et les frontières de l'est, plus marqué vendredi dans le centre-est et le nord reste du pays. Et puis enfin, pour le week-end prochain, c'est une dégradation orageuse qui semble s'annoncer, mais la fiabilité est encore assez faible. On aura donc l'occasion de revenir plus en détail sur le déroulé de cette dégradation. Demain, nous serons le lundi 21 août, nous fêtons les Christophe et les Grâces et nous perdons 3 minutes de soleil. Excellente soirée à tous et à demain.